Salut à tous et à toutes, c'est Balzéphone et nous voici de retour sur Amnesia pour la partie 2 de mon Let's Play. Aïe, et je viens de me mordre la langue en parlant, disons, Let's Play, et j'ai super mal. Ça fait vachement mal. Donc, je vais reprendre où est-ce que j'en étais et mettre mon compteur avant d'oublier. Chronomètre. Yep, voilà. Ah, je me suis fait trop mal à la langue par contre, mais vraiment, je me suis vraiment mordu en fait. C'était pas une bêtise. Les autres enfants l'encourageaient et criaient son nom de plus en plus rapidement, l'encourageant à le faire. Est-ce que je vais vraiment le faire? Le jeune garçon pensa et frappa ensuite sa victime avec une pierre. Vas-y, c'est un connard, genre, il frappe des gens. Désolé, je bouge un peu mon micro. Bon, ça va, ça fait pas trop peur ici pour le moment. Puis il fait corps clair. Oh! Un flashback! I don't know. Désolé, je bougeais encore mon micro en fait. C'est quoi? Du sang? On dirait pas du sang, des... Non, on dirait des pétales de fleurs. Je vous assure qu'on dirait vraiment des pétales. Je pensais pas que je suis pas trop d'histoire, mais en fait... Oh! Vas-y, j'en ferme, c'est dégueulasse. Voilà. Ah c'est bon, le flashback il est fini. Bon, je vais pouvoir y retourner. Aïe! Si la distance est flexible, ça ne peut être ni cassé à la main ni avec des outils. Et c'est tout bonnement dégueulasse. On dirait du chewing-gum à la pastèque. Ouais bon, peut-être mauvaise représentation mais... Mais bon, ça me fait vraiment penser à du chewing-gum à la pastèque. C'est quoi en haut? Oh. Ça m'a surpris. J'ai pas eu peur, mais ça m'a surpris. Ça venait de par là. Ça va, je suis pas trop flippé. Bon, s'il y a un monstre qui arrive, par contre, je vais vraiment flipper parce que je m'y attendrais pas, mais... Laboratoire. Il tomba sur le sol de la cuisine. Des larmes commençaient à remplir ses yeux alors qu'il reçut le premier coup de pied dans son estomac. Azel resta caché par peur d'être aussi puni. Je vois pas trop le rapport des textes avec les jeux, en fait. Oula. Il fait sombre. Alors là, je vais te flipper, vous allez voir. Attendez, je baisse un peu le son de mon casque. Pas du jeu, hein. Vous, ça va rien changer. Mais moi, sinon, je vais être trop flippé. Merde, j'en ai mis plus. Bon, allez. Ok, bon. Sors-le. Y'a quelqu'un? Ah! Bonjour! Bah vas-y, y'a rien ici. Eh. Faut que je fasse quoi? Y'a des cailloux, c'est super. Oh! Une sortie. Je sais que je gâche mon amadou, hein, m'engueulez pas, mais... C'est quoi ce bruit? Oh. Ok, là c'est un monstre dans l'eau. Ok. Ok. Eh ben, il est dans l'eau, de toute façon, il me gêne pas. J'ai pas l'intention de marcher sur la plaque. Donc elle se cassera pas sous mes pieds. Oh. Un flashback, j'aime les flashbacks. Il devrait y avoir plus de cuprite. Et une part d'eau forte. Ok, bon, c'est cool ta life, mais Ah, voilà. C'est tout? Oh, une note. Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences a altéré mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et seront difficiles à récupérer. Je lance ce que je peux faire et les déplacer dans la cave à vin. Donc, il va falloir que j'aille dans la cave à vin, c'est ça? J'ai peur que si je marche là-dessus, ça se pète et je meurs. Peut-être les jeter dedans. Ouais, il se passe rien, pardon. Bon.
à une autre note. C'est ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que là j'arrive au but. La calémine et l'or piment, non merde, sont une garantie et le cuprite les maintient bien ensemble. Cette fois je vais essayer de remplacer le fort par de l'or régal. Résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec, la solution est très acide et résulte d'être inutilisable sauf pour servir de détergent. Les tissus organiques réagissent très violemment à la solution. Il devrait être manipulé avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais... Ok. C'est quoi? Flacon chimique. Ok. Pourquoi tout tremble comme ça? Ah. L'amadou. Ouais, mais... Voilà, ça va me faire chier. Oh. Un jour je reviendrai, si ce n'était pas pour toi mon amour, je ne pourrais pas continuer. Quand je dois faire les choses terribles, je pense à toi pour me réconforter. Tant que je peux penser à toi et espérer une vie à deux, je sais que je suis bien meilleur que les autres. Je pleure pour eux, ils ont une ambition sans limite dans leur quête du pouvoir, alors que moi, je ne veux qu'un jugement, qu'il soit juste et un retour assuré. Quoi, c'est tout? Ah ouais, d'accord. Merde, non mais ça va, ouais, j'ai pigé, ouais. Merci. Bon. J'ai remis ce truc en recliquant dessus comme un con. Ouais, ok, c'est tout. Bon. Je vais repartir. Ah, y a peut-être des trucs là. Ah non, c'est vrai. Ah, ah. De la main 2. Bah ouais, bah pour le coup, il n'y a plus rien à faire ici, donc je vais repartir. Ouais, par là. Ça va, il n'y a pas de monstre. Je sais même pas si c'est par là qu'il faut que j'aille. Mais il y avait d'autres portes de l'autre côté de toute façon, donc... Je vais pas rester ici, genre. Ouais, je m'en vais. C'était pas très rassurant, mais bon. Ça va, je survis pour le moment. Donc je sais vraiment pas si je vais vraiment faire le jeu jusque tout au bout. Hein, parce que ça me fait vraiment flipper par moment. Mais bon. D'accord, c'est la porte qui grince. Aussi il fait clair. Bon. Cette fois-ci je monte sans souci. Ok, là c'est bouché. Une toile d'araignée. Je peux marcher dedans, genre je la casse pas. C'est quoi par là? Ah d'accord, c'est bloqué. Je suis totalement flippé, mais j'avance quand même parce que je suis taré. Les archives. Mais je viens des archives, non? Attendez, j'ai un doute, je vais voir. J'ai un gros doute, je ne sais plus si je viens des archives ou d'ailleurs. Viendrais-je des archives? Mais non, je me souviens pas d'ici. Et c'est sérieux, j'ai entendu un monstre. Je suis sûr que c'est sérieux. J'ai entendu un monstre et ça me fait flipper. J'ai fait bouger une lampe et ça me fait chier. J'ai trop peur, je vais rester dans mon coin. Vous savez quoi? Je vais vous laisser pour cet épisode-là. Et n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous savez s'il y a un monstre là. Comme ça, je saurai si je dois me méfier, flipper ou quoi que ce soit. Et comme ça, je vous reprends dans l'épisode prochain. Alors au moins, ça me permet de vous expliquer que tous les épisodes font environ 10 minutes. 10-11 minutes pour Amnésia en tout cas. Parce que je flippe un peu sur Amnésia. Mais c'est le meilleur format que j'ai trouvé qui me permet de vous poster plus de vidéos en un temps plus petit, donc c'est bien mieux. Donc voilà, donc je vous retrouve très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à ajouter la vidéo en favori, à laisser un pouce vert ou à la commenter, ou encore à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien les vidéos. Voilà, bye bye tout le monde, et merci, j'ai déjà dit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Oui bon, moi je peux vous laisser alors, bye bye.